Bonjour tout le monde, c'est Lucas Certé. On se retrouve pour l'épisode, si je ne me trompe pas, 4 du mode aventure de ce FIFA 18. On était toujours au chapitre 2 de ce mode aventure et on va tout de suite commencer. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je me demande si on n'avait Tu déjà bosses pas vu encore ça. là-dessus? Voilà les gars, on se reprend là. Donc il y avait eu la cinématique qu'on avait déjà vue. Je sais pas pourquoi ils me l'ont remis, mais on a déjà vu à l'épisode 3. Donc voilà, on va continuer. Hop, le petit parcours de dribble. Donc pour l'entraînement. Donc voilà, j'ai tourné une vidéo Bon aujourd'hui les gars, sur si on n'arrive pas à maîtriser le ballon, on ne pourra jamais marquer. sur FIFA Ultimate Team. J'ai acheté 15 euros de points FIFA, mon gars. Donc ça m'a fait 1600 points FIFA. J'ai ouvert quoi, une dizaine de packs. J'ai ouvert une dizaine de packs or, là le plus cher à 7500. Et j'ai eu que de la merde. Je vous mettrai la vidéo parce qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à voir. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer tellement c'est des escrocs. Parce que voilà, je mets 15 balles de points FIFA en me disant ouais, voilà, je vais avoir au moins une ou deux cartes de 85 ou 84. Ou enfin, voilà. Et non. J'ai eu aucune carte de 80. J'ai que des cartes de 70. Donc voilà, c'était assez casse-couille, je vais pas vous mentir. Je me suis senti vraiment baisé et déçu. Non, non, franchement, c'est chiant parce que tu te dis, voilà, tu mets 15 balles de ta poche. En plus, moi, c'est de l'argent que j'ai travaillé. Donc, c'est même pas de l'argent de YouTube vu que je ne gagne rien avec YouTube. Donc, je me suis senti un peu baisé. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Au moins, maintenant, je sais que FIFA, c'est des escrocs, quoi. Voilà. Donc n'achetez surtout pas de points FIFA. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Je vais vous montrer ma vidéo et vous allez voir ma vidéo et vous allez vraiment voir pourquoi ne jamais acheter des points FIFA parce que c'est de la baise, tout simplement. Donc voilà. Donc dans FIFA Ultimate Team, j'essaye de petit à petit de comprendre les bails. Tu vois comment? Et j'essaie petit à petit de comprendre les bails. Et d'avoir des crédits, etc. Donc là pour l'instant, 2 jours, j'ai réussi à avoir 15 000, plus de 15 000 crédits. 15 000 et quelques. Donc franchement, c'est déjà bien. Bon, tout ça, c'est en faisant des matchs, C'est tout en pour aujourd'hui, les vendant, en gars. achetant et en revendant Reposez-vous. des joueurs. Enfin, voilà. D'accord. Alors, disons que le Real Madrid propose effectivement une offre convenable avant la fin du mercato le 31 août. Alex, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Si tu restes ici, nous continuerons à te faire progresser et dans quelques Mais années, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs de Première Ligue actuellement. s'il s'agit de ton contrat actuel, Michael et moi en avons discuté. C'est pas une question d'argent. Il est décidé, hein. Alors Il veut se attendons de casser. voir comment ça évolue. Mais si tu tiens réellement à partir, Alex, tu devras faire une demande de transfert. On est arrogant, nous, voilà. Si vous le dites. C'est comme ça, Alex. Ok, donc est-ce qu'on va réellement aller à Madrid? Telle est la question. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les gens. Vraiment, on est presque à 200 abonnés et ça serait vraiment cool qu'on monte à 200. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos si jamais vous les aimez, à mettre un j'aime, un commentaire, à me demander des trucs en commentaire, enfin ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. Et on va directement se lancer dans un match, donc comme Burnley. Voilà. Encore un mensonge, j'imagine. Alors? Pourquoi? Je vais te manquer, Taureau? Et encore une fois, J'aurais jamais arrogant. pensé l'apprendre par voie de presse, Alex. Je me suis trompé. Bon, les titulaires dans le tunnel, les remplaçants sur le banc. C'est parti.
On parle que de ça sur Internet. Les supporters, ils sauront. Félicitations, mon ami. Allez, viens. Ça sent un peu le roussi quand même, cette histoire. Ça sent un peu le roussi. Donc voilà, je vous disais, donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Franchement, ça me ferait plaisir de passer les 200, la barre des 200 abonnés. Ça fait déjà 6 mois que je suis sur YouTube quand même. Voilà, et on est presque à 200 abonnés, donc c'est bien. On va essayer d'atteindre cet objectif-là. Au total de mes vues, je suis à presque 4000 vues au total de toutes mes vidéos. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais voilà, on avance comme on peut. Voilà, comme ça vous savez plus ou moins. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous, qui cloche pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou quoi. Comme ça je verrai si je peux améliorer ce qui va pas ou quoi. Ou quand eux ils ont une bonne occasion. Comme là par exemple maintenant. Aïe 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 aïe, le centre. Oh putain de merde. DGA mon gars, mais t'as 90 en général, espèce d'enculé. Comment tu laisses passer une balle comme ça, putain de merde. Oh, les gardiens sur ce jeu, ils les ont vraiment chié dessus. Hein. J'ai vu plusieurs posts sur Twitter, etc. Et vraiment, il y a tout le monde qui se plaint des gardiens. Ils sont trop mal faits niveau... Voilà, le gardien par exemple, déjà, il a 90 en général et il sert à rien. Il est au goal, voilà, tu fais une frappe, c'est dedans, tout simplement. Oh, penalty. Tiens. Faire enculer, gros. Pas de carton. Allez. Non, Martial, mais allez, ça va. On va mettre bien sûr Hunter. Hein. C'est avec lui qu'il faut marquer des points. Bon. En espérant que ce gardien me la chope pas, parce que dernièrement, j'ai vraiment pas de chance au penalty. C'est bon. Calmement, les gars. Fait quoi là? Ok, le mec il s'est mis au coin et 1-1, c'est bon, c'est bon déjà, c'est bon déjà. Et dos à dos, mon fion, on va revenir calme maintenant, tu vas voir. Et ben, ça, je pense qu'à mon avis, ça va rester 1-1 à mi-temps. Hein. On va pas avoir de chance. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il... Oh non, non. Oh la merde. Putain. Quelle merde que j'ai faite, les gars. C'est un truc de fou. Maintenant, on doit revenir à 2-2 et 3-2. Putain, ça va être chaud. On le revoit sur ce ralenti. Ça va être chaud. Chaud. Ouais, j'ai remis en mode pro, hein, comme ça, vous savez. En fait, semi-pro, c'est resté que le premier match, vu que quand tu mets semi-pro, bah, ça revient en pro automatiquement. Comme j'avais mis en pro au tout début du truc. On reprend et on va essayer de marquer, on va essayer de revenir au 2-2. Manchester United, Hunter, t'es où, connard? Oula, Pogba, bien essayé. Fais quelque chose. Jure, je suis remplacé. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Ah, il veut que je monte à... C'est juste des instructions en fait. C'est bon, on est revenu à 2-2, très bien. C'est nouveau ça, hein. Dans le 17, il n'y avait pas ces instructions. Dans le 17, il n'y avait pas ces instructions en plein match comme ça. Belle action des joueurs de Manchester United. Ils sont donc parvenus à tromper le gardien. Donc je dois monter à 7,7. Je suis à 7,6, je suis à presque. Allez, encore une égalité. Il faut juste que je fasse quelques bonnes actions. Michael Carrick. Anthony Martial. Les Red Devils à l'attaque. Voilà. Là je monte à 7,7 normalement. Et tiens mon gars, le retournement de situation. Passe D d'Hunter mon gars. Passe des Hunter et voilà, et ouais. Bien joué ça, bien joué. Très bonne passe. C'est bon, les instructions, on les a remplies. Calmement. On est à 8,8 là. Qui mieux que moi? Qui mieux que toi à ce moment-là? Personne.
On revient, on retourne le match. On marque un goal avec Hunter, passe D. Alex Hunter. Valencia. Attention, ça peut être dangereux. Ah putain! Ah oui, le tir! Les corners. C'était bien, c'était bien tenté ça. Ok. Darmian, fais ta passe maintenant, ça suffit. Attention, il y a un mais clairement, Bailly est au milieu de terrain. C'est pas normal ça. Allez, faut encore putain, je suis à 9, mon gars, quelle frappe! Faut que le gardien relance très vite, donc toujours pas corner, hop, une petite tête, un petit 4-2, ce serait bien. Non, non, non. Ah! Putain. Presque. Sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ce corner qui peut être l'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri. Et non. Ce sera sans grand danger. On s'en est bien tiré. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ouais, c'est bien donné une fois de voilà. Plus. Alex Hunter qui aura donc marqué pour ce qui restera peut-être comme son dernier match ici. En plus, la victoire est au bout, c'est un bon bilan pour lui. Reste maintenant à savoir s'il va vraiment s'envoler. Voilà, on a terminé, on s'en est bien tiré quand même. 3-2. C'est pas mal mes performances. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Terminer son rang, réaliser une passe décisive. Putain, je l'ai fait en plus. Se relancer, remporter le match. Putain, on a vraiment tout fait, tout ce qu'il fallait. Sans... En plus, la passe D, je savais même pas que c'était une instruction. J'avais juste vu 7,7. Et ben, on aura tout fait, hein, tranquillement. On est monté à 10 millions de valeur, 77 en général, tranquillement. Au calme. Et on continue. Ça sent la cinématique maintenant, ouais. Cinématique. Bonjour chérie. Bien dormi? Merci. Je vous remercie d'être venu me voir hier soir. J'avais vraiment besoin d'être avec vous. C'est normal. On sera toujours là pour toi, mon grand. Entrez. Vous avez vu? Vu quoi? L'information est tombée plus tôt dans la journée avec des images d'Hunter portant un maillot du Real Madrid. La rumeur enfle. C'est pas du tout ça. C'est le mode Ronaldo, ça. T'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie du cirque en période de transfert. Normal? J'ai plutôt l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Toujours pas d'offre officielle? Oh, tous les grands clubs bouclent leur transfert à la dernière seconde. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tout devrait être conclu avant minuit. Il faut rester confiant, d'accord? En tout cas, j'espère que tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt d'Alex. Je t'en prie, papy. Recommence pas, s'il te plaît. Est-ce que Michael nous a déjà déçus? Bah, une première fois à tout, mon gars, hein. On va voir, hein, on va voir ce qui va se passer, parce que là on est vers la fin du mercato, toujours rien. À mon avis, ça sent le roussi, ça sent la baise. Hein. Ça sent la baiserie à plein nez, mon gars. Personnalisation, on a du nouveau. Il y a quoi de nouveau ici? Motif gris. De la merde, clairement. Clairement, clairement de la merde. Hop. On va le laisser avec ce t-shirt là. De toute façon, on s'en fout. Hein. C'est pas ça qui va. Par contre, les tatouages, c'est bien. Maman, Nani. Bras droit. Rien d'exceptionnel, toujours. Toujours. Chaussures, bah ouais, chaussures, on en débloque toujours plein. Hein. Voilà. Ça c'est fait, on enlève les petits trucs rouges. Et on a 3 points de compétence qu'on va mettre quelque part maintenant, tout de suite. Ça il m'en faut 3. Et c'est quoi? Coup en point. Non, augmentez vos chances de marquer sur des reprises de volée pour ne laisser aucune chance au gardien. On va prendre ça. Ça coûte 3 points de compétence, c'est pas grave. Hop. Petite séance d'entraînement. On va essayer de se faire encore un match dans cet épisode-ci. Et je vous couperai des parties au montage. Hein. Je mettrai que les bons les trucs. Gars, vous êtes bons pour une belle comme ça reste pas long. Début d'entraînement. Passe. Base des passes. Ok. Donc ça, c'est facile. Ça m'a l'air facile. Ouais.
Ouais, facile mon fion, hein. Ok, c'est passé. Ah, là, c'est déjà un peu plus chaud, hein. Ok. Putain, j'ai dit que c'était facile, mais en fait, rien du tout, hein. C'est quand même assez chaud, hein. Hop. Non, pas là. Très bien. Et ben voilà, on est quand même excellent. Très bien. Excellent. Le prochain, c'est quoi? Passe à 10. Ben, ok. Ça, c'est un peu... Ça, c'est quand même un peu chaud. Hein. C'est pas facile, facile non plus. Mais à moyen, ça reste faisable. Ça reste faisable. Faut juste faire les passes. Faut juste multiplier les passes, en fait. Et ne pas se faire baiser. Comme j'ai failli me faire baiser, là, maintenant. Regardez. Quand même assez chaud, hein. Faut monter, je pense, à plus de 5000 pour avoir un B. Putain, les mecs, ils se mettent en mouvement et c'est ça qui me baise, en fait. Oh là là, j'ai eu un D. On réessaye parce que il faut absolument qu'on ait au moins un B sur ça. Allez, on a 5000. Ça s'annonce bien. Voilà, dès que tu as compris un peu le truc, ça va très vite. Voilà, on est déjà au B. On est déjà à 7000. Donc à mon avis, ça va être bon. Hop. 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 Voilà, excellent. Allez, on rate tous les essais. Et c'est bon. Voilà. On a un A. On a eu 2 A, donc c'est cool. C'est bien parce qu'on augmente nos performances, notre note générale. Voilà, regardez. On monte bien. Hein. Bien, c'était une belle séance. Cool, 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 cool. Donc, tous mes autres let's play sur ma chaîne sont un peu en suspens. Parce que là, il y a FIFA 18 qui est sorti. Donc, je vais me concentrer plus sur ce jeu-là que les autres. Mais c'est pas pour autant que je les laisse tomber, hein, loin de là. Ils seront encore là. C'est quoi les objectifs ici? Ah, les objectifs du chapitre 2, j'ai tout fait. Hein. Marquer un but dans le premier match de première ligne. Augmenter et marquer au moins 6 points dans les 3 premiers matchs. Très bien. Ça, c'est fait. Le prochain, c'est dans le chapitre 3. Va mettre ta tenue de remplaçant. Ah ouais, ça c'est le match de la démo, ça. L'entraîneur estime que t'es trop dispersé avec cette histoire de transfert. Et franchement, je suis d'accord. Mais non, je vous assure, tout va bien, c'est promis. Personnellement, j'espère que tu resteras. C'est le match de la démo, ça. Donc on va rentrer et on perd 3-0, ça c'est... Je me souviens de ce match à la démo. Dès qu'on rentre, on perd 3-0 et c'est le bordel. Il y a tout le public qui nous hue. On se fait huer. Contrôler l'équipe, voilà. Donc ça va être chaud, hein, parce qu'on va rentrer, on perd 3-0. On est en pro. Donc marquer un goal, ça va être chaud aussi. On va voir. Donc là, je sais pas si je vous couperai, hein, vu que ça va quand même être court, le match. Regardez, on se fait huer, parce que voilà, le public... Le public se sent quand même assez baisé, hein, que le mec il se casse comme ça. Enfin, qu'il veuille se casser. Plutôt. On est à quelques secondes du coup d'envoi ici à Old Trafford. Et on vous rappelle qu'Alex Hunter n'est pas titulaire aujourd'hui. Il faut certainement y voir un signe, hein, Pierre. Bah, le signe qu'il va quitter Manchester United, très certainement. L'occasion peut-être. Allez, dites-moi, quelle entrée en matière. Le match a à peine débuté.
Déjà un nouveau retard pour Manchester United. Contre Watford en plus. Oh, le cafouillage en défense. Une nouvelle occasion. Ouais, le deuxième but. C'est une catastrophe en défense. Les mecs se parlent pas. Et puis, ils se font punir aussi sec. Le public d'Old Trafford, mécontent et qui voudrait voir autre chose en seconde période. Mais Alex Hunter qui reste assis sur le banc de cette équipe de Manchester United. La situation qui s'aggrave. Hein. Voilà, on va monter maintenant. On perd 3-0. Il faudra remonter les 3 goals, mais ça va être impossible. Hein. C'est l'heure. À toi de te les remettre dans la poche. Je peux pas partir là-dessus. Bel état d'esprit, Alex. Voilà, on était modeste cette fois-ci parce que quand même un peu. On est des mecs, on est des chiants, on est des enfoirés, mais quand même un peu de modestie, ça fait pas de mal. Donc il nous faut une cote de 6, marquer un but et une montagne à gravir. Ouais, c'est vraiment une montagne à gravir. J'ai pas vu le troisième objectif à faire, c'est pas grave. Allez, on va essayer de marquer. Voilà, c'est chaud. C'est chaud de passer leur défense. Pereira, ça part bien, action dangereuse. Ok, merci Valencia. On se met d'accord là. Ah là là, c'est chaud. En plus, c'est nous qui devons marquer le premier goal. Donc je suis obligé de faire des couilles pas possibles pour essayer de marquer. Ah, ils vont nous baiser. Non. Oh les basses, connard. Allez, dégage. On est en quelle minute? On est en quelle minute là? 70e minute, putain de merde. Frappe réclamée par les fans. Oh là là. Choisis la frappe. 4-0 les gars, c'est chaud. C'est chaud. Bah je m'en fous, c'est de leur faute, ils avaient qu'à pas me faire monter à la 60e. Quasiment offert à l'adversaire. Le pire c'est que s'il la touche pas, il n'y a pas but. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Hunter, attention. Mais non, Pogba. Putain de merde. Bon, on va essayer au moins de rester au-dessus des 6. Au-dessus des 6 sur 10, ce serait bien. Pereira. Anthony Martial. Attention, ça peut être dangereux. Ah là là, putain de merde. C'est chaud, ça va être chaud de marquer un goal. Il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. L'autre, la Robert 87 000. Oh, la grosse teub, mon gars. Ça, c'est la puissance. C'est bon, on a mis un goal. On a fait les objectifs, les gars. Putain, la passe de Bailly. Dans la lucarne, quand même. C'était beau. On le reconnaît. Ça fait donc 4-1. Manchester United. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin, on prend une situation intéressante là. Oh, la belle passe. Aïe. Ah là, on est. C'est pas faute d'essayer, hein, parce que là, on est en train d'essayer. On essaye, mais ça va pas rentrer. Ça veut clairement pas rentrer. C'était pourtant bien donné. Oh là là, Darmian, l'erreur. 5 minutes de... Le rouge pour Herrera, mon gars. Et ouais, c'était sûr. Deux rouges. Putain, on a deux cartons rouges, les gars. Troy Dini. Oh. Oh. Quel bourbier.
Ah, la défense qui a eu chaud. Non, 4-1, ça suffit, les gars. Pas déconner. Hein. Pas déconner quand même. Victorien. Anthony Martial. Ballon pour Hunter. Manchester United à l'attaque. Oh là là, les techniques, mon gars, qui ne passent jamais. C'est un truc de fou. Hein. Ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Regardez, on n'a plus de défense. Centre appuyé. Ouais, la... Ah, le gardien enfin s'y est mis. Il a arrêté un ballon. Quel fils de. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Hervé ? Il a arrêté un ballon. Tu deviens Pierre. Allez. Le corner en direction du point de pénalty. C'est fini, le massacre est terminé. Et voilà, les trois coups de sifflet de l'arbitre. Le massacre est terminé, enfin. On a mis notre goal, on a fait ce qu'il fallait. Nous, le reste, on s'en bat les couilles. Hein. On va quand même se casser à Madrid. C'est ça qui compte. Le reste, pff, tiens. Voilà, donc performance, on a eu 8,3. Réduire l'écart, marquer le... Quoi? Mais on a marqué. Remporter le match, ouais, ça c'était impossible, ils sont fous ça. Mais on a marqué, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Frappe réclamée par les fans. On a marqué. Bah ouais. Pourquoi l'objectif est pas atteint? Ils m'ont baisé la gueule. Ils m'ont clairement baisé la gueule. Bon voilà, on va voir ce qui va se passer maintenant. Et on va clôturer cet épisode sur ce généreux bourbier. Eh ouais mon gars, dis au revoir. Alex, même si on met de côté la défaite, ce match a dû être éprouvant pour vous. Vous avez demandé un transfert et les supporters vous ont pris en grippe. Qu'avez-vous pensé en entrant sur le terrain? C'est bon, ils vont chaque fois remettre ça ou comment? Ta gueule. Je voulais montrer aux supporters ce qu'ils n'auront plus. Non, on va mettre ça quand même. Je voulais changer la donne et que nos supporters se rendent compte de tout ce que ce club implique pour moi. Certains m'ont sifflé aujourd'hui, mais notre public a toujours été exceptionnel. Je voulais qu'on remporte ce match en signe de reconnaissance. Malheureusement, j'ai échoué. C'était votre dernier match avec ce club? L'avenir nous le dira, mais on m'a dit qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. J'aurais aimé partir sur une note plus positive, mais c'est le football, c'est comme ça. Merci Alex. De rien. Voilà, c'était la bonne réponse à mettre. Hein. L'autre, ça aurait été un peu trop arrogant. Très bien. Donc, notre valeur est montée à 10 375 000. On continue. Est-ce qu'il y a encore une cinématique? Non. Bon, voilà. Bon, on va arrêter ici. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Mettez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Voilà, on se retrouvera pour le prochain épisode. On continuera ce mode aventure tranquillement, calmement de notre côté. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur FUT aussi, FIFA Ultimate Team. J'en ai fait déjà quelques-unes. Donc allez voir, c'est plutôt chouette. Moi qui ne connaissais pas trop ce mode, je suis en train de devenir un fan. Donc voilà, merci à tous, on se retrouve au prochain épisode. C'était Lucas Certé. Ciao les gens.